Bonsoir à la famille, bonsoir à tout le monde. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Oh mon Dieu. Voilà madame Karine, c'est pas facile. Ayak pour nous, soyez salués. Voilà, Gana vient de se réveiller là. J'ai dormi un peu. Ah, partagez. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ils veulent nous empêcher de s'exprimer. Ça date pas d'aujourd'hui, vous le savez déjà. Pas de lecture, pas de musique. Un petit prière pour la chute des Draman. Vous le savez déjà. Ça, c'est mon spécialité, ça. Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bishay'in min 'ilmihi illa bima shana'um lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bishay'in min 'ilmihi illa bima shaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma Partagez la vidéo, invitez vos amis. Partout où il y a la médiocrité, je ne suis pas là-bas. Partout où il y a l'animosité, je ne suis pas là-bas. Aston Martin, soit salué. Oui, vous voyez, je ne vois pas les commentaires ici. Maman Douchka Pakoura, je vous salue. Fresnendri, soyez salués. Ok, ça va. Ayakounou, soyez salués. Si c'est Stéphane, big respect à toi. Je salue tous ceux qui sont connectés ici. Hein? Excusez-moi. Konate ici, big respect à toi. André Kwa, big respect à toi. Tu me plais beaucoup. Je suis avec vous. Et je vous demande pardon de partager cette vidéo parce que j'ai parlé. Je vais m'adresser au peuple ivoirien de ce qui va arriver dans 5 ans. Et pardon, dans 3 ans, on dirait. En 2025. Très rapidement, sans tarder, j'ai écrit ici ma réponse à un comédien, un cafard du RHDP, du RDRHDP, le soi-disant le DG de la LONASI. Karim Ouattara. En réalité, je ne connais pas ce jeune homme-là. C'est un jeune. Si celui-là est directeur DG de l'ONASI, celui-là même qui a remplacé Honorable Issa Fofana, vous allez voir la tête des jeunes hommes. Ça veut dire en réalité que ce pays est dirigé par la médiocrité, par des comédiens. Comment un jeune comme ça? Soyez salué, maman Nathalie Da Silva. Bonsoir Zizou, bon carême à toi et à toute ta famille. Merci beaucoup maman. Regarde ton WhatsApp. Hein, j'ai fini le travail à 14h. Il y a une vidéo qui est tombée sur ma main. Je te l'ai envoyée pour pouvoir me rassurer avec plein de choses. Jusqu'à là, tu ne m'as pas encore répondu. Mais ce n'est pas grave, sûrement tu étais occupé. Et demain, nous allons revenir sur les imams et le peuple du Nord. Demain, ce n'est pas bon encore. Inch'Allah. Samedi, dimanche, je suis à la maison. Les jours
C'est déjà passé, maman. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire ici, là, moi, je ne cache pas mes mots. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes, les Ivoiriens vrais, ils aiment mon affaire, les vrais Ivoiriens. Parce qu'ils ne cachent pas mes mots. Je dis ce que j'ai vécu. Je dis ce qu'on a fait. Parce que gâté, c'est gâté. Je n'ai plus rien d'envier à Draman tant que Soro, il est ici. Je veux que les Ivoiriens comprennent ça. Ce jeune homme-là que je vais vous montrer, il a dit non, les Soro, dans son interview de merde, là, c'est pas encore fini. Mais on attend, on m'a dit que l'interview n'est pas finie. Il a fait un peu, ils ont publié, mais on attend l'intégralité de cette interview. Tant que les survivants de la rébellion de Draman sont en vie, nous allons parler. C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, après, je veux féliciter Maître Gims, un artiste chanteur international congolais, celui qui a refusé la nationalité française pendant que les Magic System, les Alpha Blondy, les Tiken Djaku diraient la nationalité française. Le grand frère Maître Gims a refusé la nationalité française. Et je lui félicite ce soir parce que je vous ai dit, quand c'est bon là, moi je me reconnais dedans. Déjà, Maître Gims a refusé l'invitation de l'animal Emmanuel Macron. Si j'ai écrit son nom, il va bloquer ma page. Ça, je le sais. C'est pourquoi je n'ai pas écrit son nom. On va regarder cette vidéo. Félicitations au grand frère Maître Gims, un artiste chanteur international congolais, fils digne de l'Afrique, a refusé l'invitation de Macron et sa Brigitte là pour les accompagner au Congo. On va parler de ça. Mais en attendant, on va aller regarder la vidéo en question. Les bombes sont là. Vous comprenez? On va aller regarder la vidéo en question. Ma réponse à un comédien, un cafard du RDR, le soi-disant DG de l'ONACI, Karim Ouattara. Si c'est vrai, ce jeune homme-là, il est DG de l'ONACI, ça veut dire que ce pays-là va rester à jamais dans la mer des médiocrités. On va regarder la vidéo. Les propos sont violents et il a visé les Ivoiriens de ce qui se prépare en 2025. Moi, je ne vais pas me fatiguer à m'adresser à mon peuple ivoirien, un peuple que j'aime beaucoup, mais je suis impuissant. Merci beaucoup, mon beau-frère, tu vois, la Soufa. Voilà. Et lui, il a fait un post dessus que j'ai commenté, mais après, la vidéo est tombée dans ma main. On va regarder ensemble. Moi, de Ramadan, moi, de vérité. Vous allez regarder celui-là. Voilà. J'ai beaucoup de vidéos à venir, quoi. Juste ce compte si le Partagez la vidéo, invitez vos amis. Tu vois, les sofas, sois salués. Je vous ai dit. Et puis, moi, je le rêve de voir des gens qui se sont accaparés des pouvoirs avec des armes à la main, se donnent le droit à donner le conseil politique à ceux qui ont pris le pouvoir sans la rébellion. Ça, moi, je ne veux pas accepter. Gaba, toi, tu es venu massacrer les gens pour accéder au pouvoir. Soulé a pris le pouvoir sans tuer quelqu'un. Moi, je suis mal placé à donner leçon politique à Soulé dans le même pays là. Et c'est ça. À chaque jour, je vois un poulet de RDR sorti pour après la séparation de Soro, bien sûr. Ouais, il faut assumer ça aussi. Parce que quand Soro était avec ces comédiens-là, je n'étais pas comme ça. Donc, ils ont voulu assassiner Soro. Ils ont voulu écraser Soro. Soro s'est séparé d'eux. Donc, la Pandore est ouverte. Voilà. La boîte de Pandore, voilà. On peut dire ça comme ça. En français. Donc, ils m'ont donné la carte verte de les allumer de tout ce que je me taisais sur ça. Il y a eu des choses que je me taisais parce que Soro était avec eux, que je refusais de dire. À partir du moment où Soro n'est plus avec eux, coupé, découpé. C'est ça. Alors ici, on va écouter ces petits-là. J'ai envoyé la vidéo à plusieurs personnes pour me rassurer parce que les comédiens de RADP, là, moi, je ne les connais pas. Je ne cherche même pas à les connaître. Vous comprenez? Et Ange Nguessant, ce petit Karim-là, je ne le connais pas. Les cadres du RADP, là, pas ceux qui sont en haut, là, les petits Mamadou Touré, les Bitogo, là, les Nabani Kone, là, c'est fini. Les petits, là, je ne les connais pas. Je ne sais même pas les connaître.
On m'a dit que ce petit-là, il est DG de l'ONA. C'est vrai ou faux? Et répondez. On m'a dit que c'est celui-là qui a remplacé Honorable Issaka Fofana. Il dit, mais on est dans un pays de médiocrité. Écoutez le propos. Et j'aimerais vous dire en même temps, j'avais oublié. Depuis hier, il y a un député comédien aussi de RHDP. C'est là, il pense que les Ivoiriens, on est tous des moutons, quoi. À Salé Tchemogo, il sort. Il va dénoncer les téléphonies mobiles. Orange Money, Move, NTN, qui sont en train d'anarquer les Ivoiriens, voler les Ivoiriens. Comme si lui, son patron Draman n'est pas au courant de ça. Plus Chéri Balé a fait un post tout de suite là. Je vais vous montrer rapidement. Avant que Brichéric Balé fasse poste là, moi je savais. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous croyez que Draman n'est pas au courant de ça? Moi je ne parle pas dedans. Je ne fais pas vidéo pour dénoncer. Quand les Ivoiriens seront fatigués de tout ça, ils vont se révolter. C'est ce que moi j'attends. Les vols de NTN là, nous on envoie l'argent sur ça. On nous dit, c'est envoie l'argent, le frais c'est 1000 francs. Tu envoies 50 000 francs à quelqu'un, NTN ou Orange Money, il prend plus de 12 500. Moi, je le fais parce que je n'ai pas le temps d'aller m'arrêter Western Union. C'est des vols, mais vraiment, on est au courant de ça. Ceux qui sont au pouvoir, là, c'est des hommes d'affaires, c'est des businessers. L'argent qu'on vole aux Ivoiriens, téléphonie mobile, la NTN, Orange, ils donnent, Draman mange dedans. On donne pour Draman, moi, je le sais. C'est pourquoi je ne vais pas parler dedans, maman Jacqueline. Maman Flo Mekapé, je ne vais pas dénoncer, je ne vais pas parler. Quand nos parents plantaires seront fatigués de leur vol là, ils vont se rebeller. Quand les Ivoiriens seront fatigués, ils vont se révolter. Et regardez ce que maman Plucherik Balé a écrit ici. Rapidement, excusez-moi, hein, très rapidement, la vidéo n'a pas encore commencé. Entre parenthèses, je vais aborder pourquoi je ne parle pas dans cette affaire là. Plucherik Balé, je crois que c'est ça. Plucherik Balé, je crois que c'est ça. Bon, je suis abonné sur l'autre page là. Bon, c'est pas ça. Parce que je ne vois pas poste là ici. Alors, Matugal, lien qui est envoyé là, s'il te plaît, envoie-moi rapidement ici ou bien ici. Entre les deux, ouais, ça plaît. Parce que ça est dans le téléphone là que j'ai fait vidéo. Je vais vous montrer. Ça, j'ai fait ça pour m'adresser aux Ivoiriens, quoi. Sinon, c'est pas mon affaire. Toi, Asale Tchemogo, tu es RH. Laisse tomber. J'ai vu une autre page ici officielle. Laisse tomber Ramatical. Toi, Asale Tchemogo, tu es député du RDN. Hein? Tu vas venir t'asseoir faire vidéo pour dire tu vas dénoncer que les téléphonies mobiles sont en train de voler les Ivoiriens. Il a donné des chiffres vertigineux. En 2014, plus de 180 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, ils vont vous tuer. Moi, je suis assis ici, je vous regarde. Quand les Ivoiriens seront fatigués de tout ça là, ils vont se révolter. Moi, j'attends ça. Ici, elle a écrit, voilà ça. Lisez vous-même. Attends, on va agrandir. J'ai dormi, je me suis réveillé, je vois que maman Plucherik Balé, femme digne de dignité, une femme de société civile qui se bat à sa manière, elle a posté. Abus téléphonique. L'RTCI, c'est une société, l'RTCI, le premier responsable payé pour protéger les consommateurs. Une structure étatique. Je ne suis pas parti à l'école. Je ne suis pas bête. Quand je me suis réveillé tout de suite là, j'ai appelé un de mon secrétaire. J'ai dit, une structure étatique, ça veut dire quoi? Mais moi, je savais, mais pour être sûr. Une structure étatique, c'est-à-dire une société d'État. Une structure étatique, ça veut dire quelque chose qui appartient à l'État. Je savais déjà étatique là. Je savais que ça veut dire c'est pour l'État. Mais pour me rassurer, j'ai appelé un de mon secrétaire, il dit que c'est ça. Donc, je peux parler de ça. Donc, une structure étatique qui est censée à soutenir le consommateur, accompagner le consommateur et complice des sociétés qui volent les Ivoiriens. Ah, c'est très doux, c'est très bon. Abus de téléphonie mobile. L'RTCI, premier responsable payé par les Ivoiriens, payé pour protéger les
consommateur, une structure étatique, qu'en plus des sociétés Orange, MTN, Move, tous les bêtises que vous connaissez, les conneries que vous connaissez là-bas. Vous comprenez? C'est en Côte d'Ivoire seul. Tu t'inscris Internet 10 000 francs par jour. Le soir, tu attends, pipiping, c'est fini. Le seul pays au monde, tu t'es souscrit Internet 10 000 francs par mois, matin. Le soir, on dit, tu ne peux plus rien faire. Seul. Même vocal, tu ne peux pas envoyer à quelqu'un. C'est en Côte d'Ivoire. Draman est au courant. Draman gagne dedans. Il prend son quota par mois. Orange vole les Ivoiriens, on donne pour Draman. Ceux qui sont au pouvoir, ce n'est pas des politiciens, des hommes d'affaires, des businessers. C'est des djoulas. C'est l'argent seulement qui les intéresse. Donc, Ivoiriens, arrêtez de pleurer. Moi, je ne fais pas vidéo pour dénoncer. Je ne parle pas de ça. Quand les Ivoiriens seront fatigués de tout ça, là, ils vont se révolter. Ils vont se réveiller. Ils vont se rebeller. Le peuple sri-lankais, un matin, ils se sont réveillés. Ils se sont débarrassés de l'animal qui dirigeait la Sri Lanka parce que le peuple était fatigué. Un matin, le peuple burkinabé se sont levés comme un seul homme. Ils se sont débarrassés de l'animal qui est en train de mourir en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré. Un matin, le peuple malien, peuple digne, se sont levés un matin. Ils se sont débarrassés. Et le peuple digne du Sénégal, on les voit tous les jours en train de protéger leurs opposants. Le peuple ivoirien sont assis là. Draman n'a qu'à les écraser. MTN, Orange Money n'a qu'à tout voler. Quand ils seront fatigués, ils vont se rebeller. C'est ça, moi, j'attends. OK. En Europe, ici, on paye 10 euros. On a 120 gigas. Moi, j'ai 250 gigas ici. J'appelle en France cadeau. En Allemagne, cadeau. En Angleterre, cadeau. J'appelle dans le pays des Draman 10 centimes. 10 centimes, ça ne vaut même pas 10 francs CFA. 20 euros par mois. Ça dit, plus de 200... Trois téléphones là sont connectés. C'est connecté, c'est... Je peux lancer direct là jusqu'à demain matin. Je suis assis ici. Donc, moi, je ne parle pas dedans. Moi, je ne parle pas dedans, maman Jacqueline. Jacqueline, je ne parle pas dans ça là. Draman au courant. Une société d'État. Société étatique, c'est pour l'État. Ton fils, il n'a pas un animal. Je me suis réveillé, j'ai vu poste de maman plus chérie Balé, j'ai lu. Malgré que je ne suis pas parti à l'école, j'arrive à lire un peu à majuscule. J'ai lu. J'ai appelé mon secrétaire. J'ai dit, une structure étatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pour l'État. Il dit oui, que c'est ça. Confirmé. Voilà. Donc, voilà ça. Donc, Ivoirien, réveillez-vous. Donc, on va aller maintenant regarder la vidéo. La vidéo pour laquelle je vous ai appelé ici ce soir. Pas pour parler. Il y a la charité de la vie, les gens ne parlent pas de ça. Moi, je suis venu parler de charité de téléphone. C'est pas moi qui a fait ça. C'est qu'ils ont besoin de renaître. Ok. Si Laurent Gbagbo, qui a... Si... Il a dit nom de mon mentor dedans et nom de mon papa Laurent Gbagbo a été cité dedans. Je vais déconstruire. Tout de suite là. Je le rêve, je ne vais pas accepter. Ceux qui ont massacré les gens pour accéder au pouvoir, parce qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont rechargés, ils vont venir donner une leçon politique à ceux qui ont pris le pouvoir sans rébellion. On ne peut pas l'accepter. On va écouter ce petit-là, Karim Ouattara. Un enfant qui parle comme moi. Il crie. C'est-à-dire, il a la même manière de s'exprimer comme moi qui n'est pas parti à l'école. Même manière. Il crie. Vous comprenez? Si un enfant comme ça est déjà de l'ONASI, le pays est dans la mer des médiocrités. Écoutez. Si Laurent Gbagbo, qui à l'époque remplissait la place de la République, jusque sur les ponts, se contente de ce qu'on a vu à Figaro, c'est qu'ils ont besoin de renaître encore. Okay. Mais en réalité, la personne... Il faut t'arrêter là-bas. On est l'apprenti des bagarres. Ces gens-là sont assis sur le sang, à elle le fait. Ils sont assis avec les armes. Il ne bougera pas. 2025, Gbagbo, Bédié, Draman va nulle part. Aucune élection. Écrivez ici. Maman Jacqueline, écrivez. Si les Ivoiriens vont se lever, ils n'ont qu'à se lever. Je vous ai déjà dit, de 2015 à 2020, j'ai dit, hey, si 2020, Draman se mettait au pouvoir, vous les Ivoiriens, vous allez apprécier. J'ai déjà dit. J'ai dit ça.
Si ce monsieur-là, en 2020, réussissait à violer la Constitution devant le peuple ivoirien qui a donné le courage à tout le monde d'ailleurs, Fabrice Talon au Bénin, il veut le modifier, Macky Sall veut le modifier, tout le monde dit, si ça a passé en Côte d'Ivoire, ça peut passer chez nous. Si Draman a réussi à faire troisième mandat en Côte d'Ivoire, au Bénin, on peut faire, au Sénégal, on peut faire. Vous comprenez? Et j'ai déjà dit, si Draman a réussi à se maintenir au pouvoir, s'il vous plaît, un instant. En 2020, vous les Ivoiriens, vous allez mordre votre doigt. J'ai déjà dit ça, ici. En 2025, écrivez, Aya Sebe, écrivez. Ni Bégué et Gbagbo ensemble, Draman va tomber par les élections. Mais aucune élection fera débarrasser ces comédiens-là des pouvoirs. Écrivez ça. Il va falloir la détermination des peuples ivoiriens pour pouvoir libérer ce pays. Personne ne va venir vous aider ici. Un peuple qui veut pas se sacrifier, qui ne veut pas faire des sacrifices, un peuple qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas aller en prison, tu vas mourir dans l'esclavage. Hier, yeah! Nous, on est partis jusqu'à prendre des armes. On va tous mourir, mais ce drama, nous, on connaît. Par l'ignorance, moi. Mais on l'a fait quand même. On était prêts tous à mourir pour Draman. Aujourd'hui, aucun Ivoirien est prêt à mourir pour libérer ce pays. Aucun Ivoirien est prêt à aller en prison pour libérer ce pays. Vous allez périr là-dedans. Vous allez périr là-dedans. On va écouter le propos de ce jeune homme-là, un petit. Écoutez très bien. Écoutez. Il dit, je vais le déconcerter tout de suite là. Allons-y. Si Laurent Gbagbo, qui à l'époque... Impoli, si président Laurent Gbagbo, son excellence... remplissait la place de la République, jusque sur les ponts, se contente de ce qu'on a vu à Figaro, c'est qu'ils ont besoin de rinettes encore. Ok. Si mon papa Laurent Gbagbo remplissait place de la République jusqu'au pont, aujourd'hui c'est content de remplir le place de Figaro, c'est qu'ils ont besoin de rinettes encore. Allez-y dire à ces moutons-là que lorsque Laurent Gbagbo remplissait le place de la République jusqu'au pont, c'était avec PPACI? Non. C'était le FPI qui l'a donné à Afin Guessant. Ce n'était pas avec le PPACI. PPACI vient de voir le jour hier. Yeah, yeah. PPACI qui a rempli Figaro là, elle est née hier. Yeah. Après 10 ans de son président en exil en prison. Envoyez Draman à la CPI, s'il vous plaît. Draman n'a qu'à faire 3 mois seulement à la CPI. Et qu'il revient en Côte d'Ivoire, même ses propres militants, il ne va pas réussir à les mobiliser. À plus forte raison, un cafard. Vous comprenez? Il dit si Gbagbo Laurent, à l'époque, remplissait place de la jusqu'au pont, c'est content de remplir Figaro, c'est qu'ils ont besoin de renaître encore. Allez-y dire à ces cafards que Laurent Gbagbo a passé 10 ans hors de son pays en prison. Ça fait un. Pendant ces 10 ans-là, le RHDP qui ne connaît pas la politique, ils ont débauché, ils ont acheté plein de cadres. Dit Gbagbo Laurent, ils ont assassiné beaucoup. 80% des cadres du FPI, Draman les a assassinés en prison. Tous les Abdourahmane Sangaré, là, on nous dit qu'ils ont été empoisonnés. Gbagbo Laurent a perdu 2/4 de ses cadres lorsqu'il était en exil, en prison, à la CPI pendant 10 ans. 2/4. Il revient encore, on va se servir d'un autre cafard à Vinguessant pour lui racheter son FPI. Comme Gbagbo, ce n'est pas un animal, il dit, bon, Afi, il faut prendre le FPI. Combien de cadres du FPI ont trouvé la mort pendant que Gbagbo était en prison? Combien de cadres du FPI vous avez débauché? Vous avez dit ici que le FPI est fini, vous allez vider le FPI de toute son substance. Vous avez dit, Katina Kone l'a répété quand il faisait son débat de NCI, de merde là avec le CAFA Mamadou Touré. Un parti politique, quand on lui a dit que c'est fini, que c'est mort, Gbagbo Laurent, c'est fini, c'est du passé. Il va faire 10 ans à ce pays. Il revient en Côte d'Ivoire. Tous ses cadres sont morts en prison.
D'autres sont morts en liberté. D'autres ont été empoisonnés. Il crée un parti hier. PPACI a vu le jour hier devant nous tous ici. Et ils ont rempli place de Figayo. Les moutons ne dorment plus. Ça trempe partout. Ils disent que Gbagbo doit renaître encore. Non, Gbagbo c'est bon comme ça. Envoyez Draman au Burkina, même pas à la CPI, au Burkina. Il n'a qu'à faire 6 mois au Burkina. Il ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Il ne parle pas de politique ivoirienne. Draman sera totalement oublié en Côte d'Ivoire. Il va revenir après 6 mois au Burkina. Draman ne pourra pas mobiliser un cafard à plus fort. Même ces moutons-là, il va plus réussir à les mobiliser après 6 mois d'absence. Donc ça, c'était pour te répondre. Soyez sérieux d'abord. On va continuer. On va continuer ici. Il remplissait avec quel parti politique? Avec le FPI. Celui-là, Figayo, là, on appelle ça PPACI, mouton, si tu n'es pas au courant de ça. Gbagbo remplissait place de la République, parce que c'est un homme du peuple. Jusqu'à au pont. Aujourd'hui, Figayo, ce n'est pas le même parti politique, non. FPI, où il a lutté au prix de sa vie, afin Guessant, les moutons, vous l'avez poussé, vous l'avez payé, l'homme indigne, pour pouvoir s'accaparer des FPI. Gbagbo, ce geste-là, j'ai beaucoup aimé. Certains disent, oui, il était incapable de réconcilier son FPI, le membre du FPI. Non! C'est l'animal qui lutte derrière le téléphone. Donne-moi, je ne donne pas. Donne-moi, je ne donne pas. Laisse tomber, va payer un autre. C'est ça, un homme. Le RHDP, on voulait jouer avec Gbagbo. Le voit chamailler avec son petit cafard, son petit poulet Afin Guessant. Derrière son FPI que lui-même il a créé. Il dit, non, petit, il faut prendre. C'est moi, j'ai créé un FPI. Je peux créer un autre. Parti qui a vu le jour hier, mon commandant, quand j'ai vu le Grousseau à Sali. Parti qui a vu le jour hier, après 10 ans de son président en prison, à l'international, il revient, il remplit place de Figayo. Envoyez Draman au Burkina pour 2 mois. Il n'a qu'à revenir, il n'a qu'à remplir Figayo, là, on va voir. Et puis Figayo, là, même là, vous ne pouvez pas remplir ça sans boîte de sardines, sans donner 3 000. RDF ne peut pas remplir Figayo. Malgré bientôt 15 ans, vous êtes au pouvoir. Vous ne pouvez pas. Sans donner 2 000, 3 000 boîtes de sardines. Et envoyer 1 million de cars dans tous les villages de Djoulabougou. Ramasser nos parents pour venir. Ça ne peut pas. Donc, contrôlez vos mots. Et on va y arriver. Oh my God. Allergie encore. Excusez-moi, je suis allergique aussi. Figayo, c'est qu'ils ont besoin de rinette encore. Mais en réalité, c'est vous qui avez besoin des lunettes. S'accaparer de pouvoir avec les armes à la main. Après 3 000 morts, violer la constitution en 2020, qui a fait plus de 1 000 morts, on se prépare encore à massacrer, à verser le sang du peuple ivoirien. C'est vous qui avez besoin des lunettes. Vous. Quand je parle comme ça, on fait la communication des PPAC. Oui. Et moi, je ne suis pas un animal. Je reste dans l'âme, dans le sang. Mais tout ce qui va à la contre du RDR, je suis numéro 1 dedans. Je soutiens tout ce qui peut nuire au RDR. J'ai prié, même aujourd'hui, avant d'aller dormir, j'ai prié pour la chute des Draman, pour qu'elle se rende. Je suis convaincu, persuadé, tant que ce monsieur est là, Dieu est avec nous ici. Que Dieu facilite la chute des Draman dans ces mois bénis de l'Islam. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Allons-y. Allons-y. Quand il a besoin de lunettes encore. Vous n'êtes pas honte là? Quelqu'un arrêté, envoyé. Ok, maman, après je vais t'appeler. Il y a un produit efficace pour ça. Ok, sinon chaque année, c'est mon maladie, ça. Quand on rentre dans le printemps, là, la fin du mois de février et le début d'avril, surtout quand les Pauline, là, je crois en français, on dit en italien Paulini. Les feuilles des herbes là commencent à sortir. Là. Non, c'est fini pour moi. C'est la catastrophe en même temps. Je ne peux même pas ouvrir le vide des voitures. Ça me prend partout. Et après, je t'appelle maman. Ah, vraiment, ça va me faire plaisir. Hein? Oh, je n'aime pas faire ça devant les gens, mais excusez-moi, je n'ai pas le choix. Et PPACI a besoin d'être terminé. Ce cafard-là, il a oublié que Gbagbo a fait 10 ans en exil, en prison. Il a oublié que Gbagbo a laissé tomber son FPI dans la main de Afin Guessant, un autre comédien qui a fait prison sur Draman, qui est sorti. Il dit que Draman, il est Dieu.
Aucun homme politique ivoirien. Bédié n'a qu'à essayer demain. Bédié, il n'a qu'à essayer. Il n'a qu'à dissoudre le PDCI. Créer un nouveau parti. Demain, on va voir. Dramane a dissous le RDR. Il a eu du mal à décoller. Il a débauché des milliards pour débaucher le cadre du PDCI et le FPI. Il ne pouvait pas décoller. Dramane, c'est son RHDP, là, il ne pouvait pas décoller. Il était obligé de Kablan, des gars, des Adjoumani, les gars de Gbagbo, là. Il y a combien de cadres de Gbagbo qui sont dans vos gouvernements? Dramane était obligé de les acheter parce qu'un homme africain, sa dignité a une limite. Un homme noir africain, il est digne comment. Sa dignité là a une limite. Quand il arrive là, il s'en fout de dignité. Le monsieur est en prison, vous avez débauché tous ses cadres. Vous avez empoisonné tous les cadres de PPACI. Que je ne pourrais pas les citer ici. Alors, si quelqu'un doit être né politiquement en Côte d'Ivoire, c'est le RDR. Allons-y. Écoutez les propos. Hein. Écoutez. Ivoirien, asseyez-vous là. Ne vous réveillez pas. Je redis encore, dans ses propos, il vise directement le président du GPS et qui s'est reconnu comme étant premier responsable de la rébellion en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont intérêt à ce que Guillaume Soro ne revienne pas, c'est plus le PPACI et le PDCI. Son utilité pour l'opposition, c'est sa nuisibilité pour le RADP. Le jour où Guillaume Soro n'est pas nuisible pour le RADP, il n'est plus utile pour Gbagbo, il n'est plus utile pour Bédié. Si les autres présentent des vieux, nous, on ne va pas mettre un jeune qui va l'attirer la malédiction sur lui. Les vieux vont s'affronter. C'est fini. On ne mettra pas un jeune de chez nous qui va là prendre la malédiction ni chez Bédié, ni chez Gbagbo. On mettra des gens de même génération face à face. Ils vont en découdre une bonne fois pour toutes et on s'assoit, on regarde. Ces mots-là, ça m'a fait pleurer, mais en même temps, j'ai applaudi. Un jeune homme, il s'exprime devant le peuple ivoirien, et puis ivoirien assis, il regarde. Priez, un ivoirien qui est né hier, priez pour la chute de Ouattara avant 2025. Si 2025 a trouvé ce monsieur au pouvoir, vous allez me dire ici, ivoirien, vous n'allez plus reconnaître ce pays-là. Il a dit quoi? Je vais retenir encore en arrière, comme vous avez fini d'écouter. Il pense que nous, on est moutons ici. Ceux qui ont... Voilà. Je redis encore, ceux qui ont besoin de... En réalité, la personne que Gbagbo Laurent vise, et je le redis encore, dans ses propos, il vise directement le président du GPS et qui s'est reconnu comme étant premier responsable de la rébellion en Côte d'Ivoire. Vous savez, ces phrases-là, ça va prendre. Ça va prendre beaucoup au sein de notre mouvement. Il y a les esprits faibles dans tout, partout. Ça lui veut faire comprendre aux militants des GPS. Vous voyez, Gbagbo, là, moi, on m'a déjà dit ça. Quand j'ai allumé le RD, on m'a envoyé un vocal comme ça. Je préfère Ouattara que Gbagbo. Vous savez, si Gbagbo devient présent, demain, il va arrêter Soro. Moi, j'ai déjà attendu ça. Ça, là, c'est pour embobiner l'esprit faible moutonnière, parce qu'il y a moutons dans tous les partis politiques. Même au GPS, il y a des moutons. Ça là, ça renforce les doutes des moutons, les doutes des esprits faibles qui pensent que Gbagbo n'aime pas Soro. Ça renforce ça. Ça, c'est pour déstabiliser nos militants qui ont les esprits faibles, pas tous les militants. Mais moi, ça ne peut pas me prendre. Qu'est-ce qu'il a dit ici? On va développer si c'est vrai ou bien c'est faux. Ce qu'il a dit, si c'est vrai ou bien c'est faux. On va développer. Du GPS et Kayo, c'est qu'ils ont besoin de renaître encore. Okay. Mais en réalité, la personne que Gbagbo Laurent vise, et je le redis encore dans ses propos, il vise directement le président du GPS et qui s'est reconnu comme étant premier responsable de la rébellion en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont intérêt à ce que Guillaume Soro ne revienne pas, c'est plus le PPACI et le PDCI. Son utilité pour le... Ceux qui ont intérêt à ce que Guillaume ne revienne pas en Côte d'Ivoire, c'est pas Alassane Ouattara. Ceux qui ont intérêt à ce que Guillaume ne revienne pas en Côte d'Ivoire, c'est pas Alassane Ouattara. Ceux qui ont intérêt de plus à ce que Guillaume ne revienne pas, c'est Gbagbo et ses Bédié. Petit, si c'est le cas, dis à Ouattara de le faire venir, on va quitter ici. Si
c'est le cas, dis à Draman. Comme Draman n'a pas d'intérêt à ce que Soro reste ici, il faut alors lui dire de lui faire revenir. C'est plus simple que ça. Ça là, c'est pas fini. C'est avant-goût. L'interview complète là, on attend qu'ils ils publient. Et puis on va attaquer. Dans cette interview là, on m'a dit qu'il a dit que Alassane Ouattara, c'est papa de Soro. Il n'a qu'à venir demander pardon à son papa et puis c'est fini. Allez-y dire à ces animaux là que Gbagbo Laurent, quand on a pris les armes contre lui là, il a pris des lois d'amnistie pour nous pardonner. Nous, on n'a pas allé demander pardon à Gbagbo. Pardon, c'est divin. C'est divin. Pardon, c'est divin. Gbagbo là, on n'a pas envoyé quelqu'un. Allez-y demander pardon à Gbagbo. Soro lui demande pardon. Gbagbo, on est venu te demander pardon. Non, personne a mis pression sur Gbagbo pour prendre loi d'amnistie pour pardonner le rebelle de Draman. Personne a demandé à Gbagbo de nous pardonner. Il a pris en toute connaissance des causes, en toute conscience, entre lui et son bon Dieu, l'amour de ses enfants, il nous a pardonné. On m'a dit que dans ton interview de maire de la Saïd de Draman, nous on attend ici. Tu as dit, ceux qui ont intérêt, le propos de Gbagbo Laurent vise directement sur le job. Mais si c'est le cas, pour moi, Gbagbo n'allait pas demander à Ouattara. Et quand il allait à l'AME, il a demandé le retour de Soro. La vidéo est là. On accuse Soro, oui, d'être un enfant impoli qui prépare les coups d'État, qui prépare les coups. La vidéo est là. Les joueurs rendent hommage à Gbagbo après Ramadan. J'ai tout joué. Vous comprenez? On m'accuse. Je souhaite que Soro rentre dans son pays. Ce que tu as dit là, tu peux dire ça. Oh, c'est un bouton de GPS, pas à moi. Quelqu'un qui a intérêt à ce que Soro reste en exil, il peut aller plaider devant Ouattara pour demander le retour de Soro après 10 ans de prison, étant donné que Soro l'a combattu. À l'armée, je demande que Dom Soro retourne dans son pays. Parole de mon papa Laurent Gbagbo. Oui, on accuse Soro d'être un enfant impoli qui prépare, il veut faire le coup d'État, qui prépare le coup d'État. Mais moi Gbagbo Laurent, il n'a pas préparé coup contre moi. Il a fait un coup d'État contre moi. Mais je lui ai pardonné. Et je demande son retour. Toi, Kafa, là, tu vas venir me dire que c'est Gbagbo Bédié qui a intérêt à ce que Soro reste en exil. Bon, si c'est le cas, mon frère, moi, je vais t'aider. Va dire à Draman de faire retourner Soro. On va quitter ici. Comme Draman n'a pas d'intérêt à ce que Soro reste en exil, si cela est vrai, va dire à ton papa, là, de faire retourner Soro. Tu comprends un peu? On va continuer. Ah non, RDS, c'est là. Pour rien au monde, c'est là vont quitter le pouvoir. Pour rien au monde. Ni par élection, il y a deux choses qui peuvent dégager Draman de pouvoir. Deux, je vous le dis, les Ivoiriens, asseyez-vous, dormez, mangez, buvez. Cet homme va vous gouverner pendant 200 ans. Sauf le miracle de bon Dieu et mon prière. Parce que moi, je prie toujours pour sa chute. Il y a deux choses qui peuvent débarrasser Draman au pouvoir. Pas par les urnes, détrompez-vous. La manière Draman est venu au pouvoir, tout le monde connaît ça. La manière Draman a accédé au pouvoir, tout le monde connaît ça. C'est la même manière qu'il va partir. Alors, comme les Ivoiriens, l'opposition ivoirienne ne veut pas faire la même chose, parce que ça ne fait pas partie des cultures démocratiques de l'opposition ivoirienne de prendre des armes, comme petit frère Lasme Blaise l'a dit, alors, il va falloir une révolution populaire. Voici le dé. Moi, je ne cache pas mes mots. La manière Draman est venu au pouvoir, il faut ça pour lui faire partir. Mais comme les Ivoiriens, Soro Diom, Ari Kola Bédié, Gbagbo Laurent ne veulent pas faire la même chose comme Ouattara a fait pour venir au pouvoir, parce que ça ne fait pas partie de leur culture démocratique, c'est-à-dire aller créer une rébellion, venir massacrer le peuple pour chasser Draman de pouvoir. Ils ne veulent pas faire ça. Et ils ne connaissent pas ça. Donc, la deuxième hypothèse qui m'a paru vraie, indiscutable, révolution populaire, comme ce qu'on a vu à Sri Lanka, au Burkina Faso, au Mali, partout. Un peuple opprimé se lève et réclame ses droits. Sur 29 millions des Ivoiriens, si Ouattara a trop tué, c'est une centaine. Il ne peut pas. Le sacrifice humain pour le départ de Ouattara s'impose à vous. Nous l'avons fait. Le sacrifice humain pour installer Ouattara au pouvoir, nous l'avons fait. Le Nord l'a fait. Le Grand Nord. On a décidé
de sacrifier des milliers des enfants du Nord pour Ouattara. Donc, pour que Ouattara quitte le pouvoir, il va falloir sacrifier. En Côte d'Ivoire, personne ne veut sacrifier. Donc, vous êtes dedans. Ne vous trompez pas. Élection de 2025, là. Bégué, Bab, tout le monde n'a qu'à se mettre ensemble. Draman ne va pas bouger d'un iota. Je vous dis la vérité en même temps. Nous, on sait comment Ouattara a accédé au pouvoir. On a dû sacrifier une partie des peuples du Nord, oui, pour qu'il soit président. Pour le chasser, là, il va falloir sacrifier une partie des peuples. Et rébellion, Bégué ne veut pas, Gbagbo ne veut pas, Soro ne veut pas. Ça, c'est exclu. Mais on fait comment pour le faire partir? Élection, il n'y a pas. Pour aucune élection fera partie Ouattara. Écrivez ça. Écrivez ça. Ivoirien, il y a quoi? Vous, moi, ici, ici. Je parle, je fais ma part. Vous devez faire votre part de responsabilité. Alors. Essayez. Son utilité pour l'opposition, c'est sa nuisibilité pour le RADP. Le jour où Guillaume Soro n'est pas nuisible pour le RADP, il n'est plus utile pour Gbagbo, il n'est plus utile pour Bédié. Si cela est vrai, il faut arrêter de crier, villageois. Quand on est au sein d'un gouvernement de médiocrité, même si c'est la médiocrité, quand on parle, on ne crie pas. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Je peux crier par colère contre Draman. Mais toi, tu es dans Bangladesh, tu es dans climatisé, tu dors dedans, tu es à l'aise. Pourquoi tu cries en alphabet? Vous comprenez? Donc, si c'est vrai ça, dis à Draman de faire retourner Soro. C'est fini. L'homme que tu dis là, qu'il a intérêt à ce que Soro reste en exil, Harry Kona Bégué, il y a 2 mois, Draman a interdit à Soro pour aller faire une réunion au sein des chaises de GPS Abidjan. Ils ont fermé le siège de GPS Abidjan. Draman a fermé ça. Harry Kona Bégué, qui a intérêt à ce que Soro reste en exil, il a donné le siège de PDCI à Soro Djom. Dis à ton GPS, venez faire vos cérémonies chez moi ici. Je suis ton papa. Il y a 2 mois de cela, nous on était. Cérémonie de remise des rapports de la fusion s'est déroulée dans le siège de PDCI à Abidjan. Et après ça, le dictateur a failli arrêter Bégué, Dikawé et Annie-Marie Bonifon. Et toi, tu viens me dire que Zizou, ce qui a intérêt à ce que Soro meurt demain, ce qui a intérêt à ce que Soro reste en exil, c'est pas Ouattara, hein? C'est Bégué et puis Gbagbo. Dans la dé, faut dire ça à un esprit faible des GPS, pas à moi. Si c'est le cas, je t'invite à dire à Draman de faire retourner Soro. Mabana. Hein? Dis à Draman de faire retourner Soro. Ce que tu dis ici, c'est vrai. Alors, Figaro a rempli ou pas? Il faut. On vous a vu ici. Le RDL n'a pas de leçon politique à donner à aucun Ivoirien, mon Dieu. Quelqu'un qui a pris le pouvoir en éventrant, en massacrant le peuple, va venir donner leçon politique à Gbagbo Laurent et son PPACI qui ont pris le pouvoir en 2000 avec FPI. Sans aucune rébellion, moi je ne peux pas accepter. RDL n'a pas le droit à donner leçon politique à qui que ce soit en Côte d'Ivoire. On va continuer ton interview là. Voilà la partie qui va concerner les Ivoiriens. Vous allez écouter ça. J'ai parlé des cas de PPACI de Laurent Gbagbo, j'ai développé ça. Il a dit, ceux qui ont intérêt à ce qu'ils seront mis en exil, j'ai développé ça. Merci beaucoup à Sol Martin. Ouais, je suis ton petit frère, tu me connais déjà. Vous comprenez? Merci beaucoup, Ramatical, on est ensemble. On va aller sur la dernière partie où je pleurais, mais après j'ai applaudi. Écoutez le crapaud. Asseyez-vous là, Ivoirien. Allahu Akbar. Si les autres présentent des vieux, nous, on ne va pas mettre un jeune qui va là tirer la malédiction sur lui. Ces mots-là, je l'ai attendu 4 fois. Si les autres mettent le vieux, nous, on ne va pas mettre un jeune pour aller tirer malédiction sur lui. Votre papa Ouattara à peine a du mal à marcher. Mais non, si Bégué se présente, Gbagbo se présente, c'est cadavre de Ouattara qui va se présenter. Ok, on est d'accord. Il répète encore. J'ai attendu ces phrases-là. Hey, Ramatical, il fait des postes tous les jours. Il y a un danger qui guette la Côte d'Ivoire en 2025. Moi, je vais fermer mes yeux. Que Dieu protège ce pays. Hey, en 2025, les Ivoiriens vont vécu ce qu'ils n'ont jamais vu. On parle de 19 septembre 2010. Élection de 2010.
Élection de 2020. En 2025, là, asseyez-vous. Moi, je prie Dieu tous les jours. Il faut que Draman tombe avant 2025. Il faut que Draman tombe avant 2025. Ce qui guette notre pays en 2025, là, ces mots-là, comment des jeunes d'un parti politique peuvent s'exprimer comme ça? Ok, là, il n'y a pas de problème. Mamadou Touré l'a dit. Mamadou Touré. S'il présente les... y a un comédien là. Bon, lui, il est... Bon, on a moins de carême, je ne vais pas affirmer ça, mais je sais que c'est ça. Lui qui a marié la nièce de Draman, elle était enceinte à Bassam, ils sont allés boire champagne là. Et les imams de Côte d'Ivoire, ils ont témoigné le mariage. La fille était enceinte. L'islam interdit ça d'abord. Kafourou Sirikonokan. C'est-à-dire, son gendre là, lui qui a marié sa nièce là, Ramatikal, ils ont marié la fille, elle était enceinte à Bassam. Ministre Adama Camara, voilà. Adama Camara est venu s'asseoir à MCI. Mais s'ils ont envoyé leur papa, nous aussi on va envoyer nos papas. C'est plus simple que ça. C'est-à-dire, on ne parle pas d'un village, hein. On parle de la République, un pays. Mamadou Touré allait s'asseoir quelque part. S'ils ont envoyé leur papa, nous on va envoyer notre papa. Et Mamadou Touré a agité dessus. Étant donné que notre papa a frappé leur papa quand il était dans l'opposition. Notre papa a frappé leur papa quand il était au pouvoir. Et notre papa va frapper leur papa encore en 2025. Mamadou Touré, ça fait deux jeunes du RDR. Celui-là vient encore. Nous, on ne va pas envoyer un jeune aller se battre avec les papas pour tirer la malédiction. S'ils envoient leur papa, on envoie leur papa. Peuple ivoirien, d'une affaire de république. On parle de papa, papa, papa. C'est inquiétant. On va écouter le propos. Hé, hey, je prie. Moi, je donne toute ma force. Voilà, je dis mon témoin. Je ne souhaite pas que 2025 trouve le RHDP au pouvoir. Moi, je suis persuadé. Tant que Ouattara est au pouvoir, Dom Soro sera récalé ici. Ça, ça n'engage que moi. C'est ma vision des choses. Quand il y a longtemps, il est ici. Quelle médiation on n'a pas fait? Sassou Nguessou est parti 4 fois. Et Pierre, l'autre là, président de Guinée-Équatoriale, là, Tedor Obiang est parti 2 fois. Tous les Obasanjo. Obasanjo s'investit par tous ses moyens. Ouattara dit non, que Soro va mourir en exil. Donc, venu me dire que Soro va rentrer, sauf par le miracle de bon Dieu. Mais le miracle de bon Dieu va passer par la chute de Draman. Moi, je suis convaincu, tant que Draman est au pouvoir, son excellence, président Diom Soro, sera avec nous ici. Et moi, je n'en veux plus. Je veux qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Comme le CAFA a dit, que ceux qui ont intérêt à ce que Diom reste en exil, c'est Bédié et Gbagbo, c'est pas Ouattara. Donc va dire à Ouattara de lui faire retourner en Côte d'Ivoire. J'ai mal. Très mal. On va t'écouter ici. Ivoirien, asseyez-vous là. Papa, 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 papa. C'est chez moi ici là. Mes enfants m'appellent papa, papa, papa. Au village, papa, papa, papa. Mais une affaire qui concerne la République. Avec tous ces comédiens là qui sont autour de Ouattara. Papa, papa, Allah va parler. Ils vont s'affronter. C'est fini. On dirait un voyou. Et ils vont s'affronter. C'est fini. Il parle, on dirait un apprenti de Gbagba. Asseyez-vous. Ce qui se prépare contre vous, ce qu'on n'a pas vu le 19 septembre 2002, coup d'état de 1999, ce qu'on n'a pas vu en 2010, en 2020, en 2025, chaque Ivoirien n'a qu'à se mettre aux prières. Des solutions. Je le dis il y a très longtemps. Pour débarrasser Ouattara des pouvoirs, il n'y a aucune élection qui veut faire partie Ouattara. Je vous le dis déjà. Pour débarrasser Ouattara des pouvoirs, il faut faire ce que Ouattara a fait pour arriver au pouvoir. Ça là, Soro ne veut pas. Bédié ne veut pas. Gbagbo ne veut pas. C'est-à-dire la création d'une rébellion venue massacrer les Ivoiriens pour chasser Draman. Et il ne veut pas. Ils disent que non. Pour chasser Ouattara seulement, si on doit venir tuer les Ivoiriens, non. Ils disent qu'il ne fait pas ça. Prendre des armes, ça ne fait pas partie des cultures démocratiques de l'opposition ivoirienne. Le pays est en paix parce que l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Mon petit frère Lass Blaise l'a dit. On est d'accord. La deuxième alternative qui est crédible, soulèvement populaire. Ce qui s'est passé au Burkina, au Mali, en Sri Lanka. La vidéo est là, je peux vous montrer Sri Lanka. Un dictateur farouche. Le peuple s'est levé, il est parti. Le peuple le plus fort
que l'exécutif. Vous comprenez? Alors, s'ils ont peur, Crasmo Laoni, ils vont appeler dedans. Moi, je ne suis pas prêt, ni aujourd'hui, ni demain, que Dieu me retourne au pays tant que Draman est là. Même avec l'aval de Draman, je ne suis pas prêt. Parce que je n'ai plus confiance à ce vieux-là. Il peut dire, c'est vieil, Ariel, nanani. Il descend en même temps, voilà. C'est un kafri, Ouattara. Tant que Ouattara est au pouvoir, je ne suis pas prêt que Dieu me rentre en Côte d'Ivoire sur Ouattara. Après Ouattara, bien sûr, mais en même temps, je suis convaincu, tant que Ouattara est là, Soro, il est ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, il faut travailler pour la chute de Ouattara, pour la libération de la Côte d'Ivoire. Comme ça, tout le monde va rentrer. Je me reconnais à Soro comme mon mentor, mais il n'est pas seul ici en exil, il y a beaucoup d'Ivoiriens encore. Mais il est le premier qui doit rentrer, après les autres. Beaucoup sont rentrés. Ceux qui ont combattu Ouattara hier, à Bleu Goudé, article 125, il se promène à Abidjan. Djom Soro, il est ici. Et c'est Kafa là va venir me dire que ceux qui ont intérêt à ce que Soro reste ici, c'est Bédié, c'est Gbagbo. Arrêtez. Moi, ça ne peut pas prendre. Écoutez, Ivoirien. J'ai mal, hein. Écoutez, très rapidement. Écoutez. Papa, 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 papa. Il y a une affaire de la République, un pays. Si les autres présentent des vieux, nous, on ne va pas mettre un jeune qui va l'attirer la malédiction sur lui. Les vieux vont s'affronter. Regardez. C'est fini. C'est fini. Hein? On ne mettra pas un jeune de chez nous qui va là prendre la malédiction ni chez Bédié, ni chez Gbagbo. On mettra des gens de même génération face à face. Ils vont en découdre une bonne fois pour toutes et on s'assoit, on regarde. Ok. Les dernières phrases, ça m'a fait pleurer. On ne va pas mettre un jeune pour affronter Bédié ni Gbagbo. On va mettre Draman. Ils vont en découdre une fois pour toutes, c'est fini. Et puis on s'assoit, on regarde. Vous savez ce que ça veut dire? En d'autres termes, moi je ne suis pas parti à l'école. Hein. Quand il dit, ils vont en découdre une fois pour tous, c'est fini. On va s'asseoir et puis on se regarde. Ça veut dire quoi? On va détruire la Côte d'Ivoire et puis on s'assoit, on se regarde. On va brûler le pays et puis on va s'asseoir, on se regarde. C'est ce que ça veut dire. Et quand j'attends ces mots, on me dit que c'est celui-là qui a remplacé Honorable Issiaka Fofana à la tête de l'ONASI. Je tombe du ciel. Un gamin comme ça, ça veut dire que le pays est dans la main des comédiens, des plaisantins. On me dit que ce petit-là est DG de l'ONASI. C'est lui qui a remplacé Honorable Issiaka Fofana. My God. Un enfant comme ça. C'est-à-dire, quand il dit, on ne va pas mettre un petit pour aller prendre malédiction sur Bédié ni Gbagbo. On va mettre Ouattara. Il faut en découdre une fois. En français, en découdre, là, ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas parti à l'école. Il faut en découdre une fois. Et puis, c'est fini. On va s'asseoir, on se regarde. Déjà, Algérien. Mais c'est un enfant, même Algérien, même là, c'est trop fort pour lui, là. Là, c'est un bébé. C'est un bébé, c'est la médiocrité. C'est-à-dire, quand il dit, en 2025, là, les autres. Chez vous, là-bas, il n'y a personne. Draman, c'est votre Dieu. C'est-à-dire, même cadavres de Draman, ils sont prêts à proposer ça aux Ivoiriens comme candidat. Quand il dit, il va en découdre une fois pour tous, c'est fini. Et puis il ajoute hein, que c'est fini. Et puis on s'assoit, on se regarde. Ça veut dire, on va détruire la côte, on va brûler le pays là, et puis on va s'asseoir, on va se regarder. Et ces gens-là, quand on leur propose la sécession, ils ne veulent pas. Parce qu'ils ont peur de diviser ce pays-là en deux. Ils ne sont pas capables de développer le Grand Nord. Ils ne sont pas capables. C'est des vauriens et des comédiens. Moi, aujourd'hui, à la tête de la Côte d'Ivoire, je organise un référendum pour éviter une autre crise en Côte d'Ivoire, pour éviter un autre bain de sang, pour conserver les vies humaines. Je organise un autre référendum. Comme entre le Sud et le Nord, ça ne va pas. Le Nord se reconnaît à Draman comme leur dieu. Le Sud se reconnaît à Bédié comme leur dieu. Le l'Ouest se reconnaît à Gbagbo comme leur dieu. Un référendum pour la sécession. Le Nord, République, le l'Ouest et le Sud, s'ils ne peuvent pas vivre ensemble, on divise. Vers libérer, ça devient un pays. Et le Sud devient un pays. On va diviser la Côte d'Ivoire en trois. Mais si le Ouest et les gens du Sud peuvent vivre ensemble et ils se mettent ensemble, nous, on recale en haut. Et ça là, personne, aucun nordiste ne peut prendre le risque de faire ça là. Parce que c'est des vauriens. Ils ne seront jamais capables de développer le Grand Nord. Alors, on ne va pas se séparer. Et chaque 5 ans, on doit massacrer les gens.
Dieu n'aime pas ça. Dieu n'a pas dit ça. Votre projet de charte du Grand Nord, là, ça c'était un bon projet. Où s'est passé ça? Charte du Grand Nord, là, si Draman poursuivait cette projet-là, le Nord allait être indépendant. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ces gens-là, c'est le plus vaurien au monde. Allez-y, CG. Allez-y à Séguéla. Allez-y à Bundjali. Allez-y à Korogo. Dans la Bagoué. Dans le Poro. Dans le Oroba. Tout bas. Allez-y, CG. Allez-y voir les villages. Allez-y voir les régions. C'est des maudits. Ils sont au pouvoir bientôt 15 ans. Faites tout au Nord. Allez-y à Odjene. Allez-y voir CG. Ils ne sont même pas capables de développer leur propre village à plus forte raison ni région. C'est pourquoi ils sont tous accrochés au pouvoir au sud de là-bas. Ils ne veulent pas lâcher ce pouvoir. Tu es ministre des constructions. On arrive à Bundjali, on dit que ce village de Nabani Kone qui est là, tu vas tomber à terre. C'est pas la malédiction ça. Le nom, elle est riche. Il y a or, il y a diamant, il y a anakad, il y a akazu, il y a plein de choses là-bas. Ça, le nom de la Côte d'Ivoire est plus grand que Soudan du Sud. C'est plus grand que Soudan du Sud. Ça peut être une république. Oui, dans le Bafing, tout bas. J'ai parlé de ça, j'ai parlé de tout bas. Bafing, là, on y est, Crespo. Allez-y à tout bas. Vous allez voir. Nos parents doivent encore dans le Patam avec le Binyara. Binyara en haut, là, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Nos parents sont encore dans la maison, là. Tu t'abaisses pour rentrer avec le toit à herbe, là. Tu arrives. C'est dans le village des ministres qui arrive là-bas. On n'a pas besoin de te dire que voilà la maison des ministres. Non. Toi-même, tu vas savoir. Tu arrives dans son village là. Les seuls bâtiments pharaoniques, le seul village avec courant climatisé, tu vois la maison au fond là-bas. Là. Allez-y au village, vous allez voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brice Pognade. Et Payet. Quand tu arrives au village là, on n'a pas besoin de dire que voilà la maison des ministres. Non. Voilà la maison des cadres réels. On n'a pas besoin de te dire. Tu vas savoir toi-même. Parce que c'est la seule maison qui est représentative au village là-bas. C'est des maudits. Ils ne peuvent pas se développer. Ils ne peuvent pas développer le Grand Nord. Ils ne peuvent pas. On a pris le pouvoir avec les armes bientôt 15 ans. Hé, Ayake Alakoso, faites un tour au Grand Nord. Moi, ici, au contact avec nos parents tous les jours, ils me disent, Zouzou, il ne faut pas dire ça. Il dit non. Quand j'ai fini, on cause à inbox. Ils m'expliquent la situation. Vous comprenez? On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Allez-y, fais un tour au Grand Nord. Venez à Divo, à Gaïwa. Allez-y, fais un tour à Tchassalé. Allez-y, fais un tour. Là où ils sont députés maires, là. Mais essayez là-bas, là. Allez-y, fais un tour au Nord. Quand vous allez revenir, vous allez savoir que ces gens-là, c'est des maudits. C'est pourquoi ils sont accrochés au pouvoir au sud là-bas. Ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas attendre parler de sécession, de séparation. Tu ne peux pas vivre avec Bousmane. Parce que si Ouattara n'est pas là, Bousmane va te tuer. Bousmane dit aussi, tu es là, tu le tues. On ne sera jamais d'accord. Je peux après Gbagbo, Ouattara et Bédié. Que ça continue encore avec les nouvelles générations, Soro Diom, Blé Goudé, Jean-Louis Billon. Que ça continue encore. Je peux. Parce que après les péripéties de Bédié et Gbagbo, il y a une nouvelle génération qui vient encore. Mais j'ai la foi à Dom Soro qu'une fois au pouvoir, lui, il peut régler ce problème de Djoula, Bousmane, Sud, Nord. Là. Soro peut régler. Mais tant que le vieillard là, sont là, moi, je suis pour les sécessions. Oui. Ben, il y a eu trop de morts. Et ce qui se prépare en 2025, c'est pas bon. Écoutez, enfin, ils vont en découdre. Une fois pour toutes, et puis on s'assoit, on regarde. Ça veut dire quoi? Et ces mots-là, j'ai attendu dans la main de Mamadou Touré. Adama Kamara est venu s'asseoir à la NCI. Eh bien, c'est plus simple. S'ils présentent leur papa, nous aussi, on va présenter nos papas. Les grands gaillards, ils n'ont même pas honte. Derrière l'affaire de la République. Et s'ils ont présenté leur papa. Moi-même, même quand j'étais enfant, là, quand j'avais problème dehors, là, avec ces petits, là, je courais pour aller à la maison. Quand on me demande il y a quoi, je dis rien. Contrairement à certains enfants qui courent pour aller appeler papa. Un enfant de 2 ans, 3 ans. Il court dehors pour rentrer à la maison. Papa, papa, papa.
Les cadres des RHDP sont devenus comme ça. S'ils ont appelé leur papa, on va appeler notre papa. Hey! C'est grave, ces mots-là. Ils vont en découdre une fois pour tous. On va tout brûler, on va tout gâter. Et puis on va s'asseoir, on se regarde. Chers Ivoiriens, ce message s'adresse à vous. Affaire de Orange Money, MTN, Move, ça ne m'intéresse pas. Nous-mêmes, là, on nous allume ici. Moi, j'ai installé les applications de merde, là, parce que je n'ai pas le temps, chaque fois, aller m'arrêter devant le cabine pour faire mon grand Western Union. C'est pourquoi j'ai installé. On nous dit ici, le frère Orange Money, MTN, Orange Money en Côte d'Ivoire, moi, je ne paye rien. Frère, ils écrit que frère, c'est gratuit. Au pays, on doit payer seulement 1100 francs CFA pour retrait de 50 000 francs jusqu'à 100 000 francs CFA. C'est ce qu'on m'a dit. Mais j'ai envoyé 50 000 au pays, 100 000 au pays, les gens prennent 12 500 dedans. Orange Money, les Français, c'est des escrocs. Mais tout cet argent-là, Draman a un quota dessus. Vous voyez, la publication est plus chérie, Balé. Un État, une société d'État qui est censée à protéger les consommateurs et en complice avec Orange Money. Moi, ça ne m'étonne pas. Avant que Plucheri Balé fasse le poste, j'ai même pensé à ça. C'est le businesser, c'est des commerçants qui sont au pouvoir. C'est 1 milliard n'est pas beaucoup pour eux. 5 francs n'est pas petit. Tout ce que tu donnes, eux, ils prennent. Donc, c'était pour exploiter cette vidéo-là. On m'a dit que ce n'est pas toute l'intégralité. Donc, on attend qu'ils publient toute cette interview-là. Et puis, nous allons revenir. Ivoirien, moi, je ne peux pas me cacher de vous. J'ai fait partie des gens qui ont participé au prix de ma vie à l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Dieu est mon témoin. Mais ce n'était pas pour venir vécu ça là. Pour faire partie Ouattara des solutions. Faire ce que Ouattara a fait pour venir, pour le chasser. Dieu merci. Bédié ne veut pas. Soro ne veut pas. Bago ne veut pas. La deuxième solution, ça est dans la main des Ivoiriens. Ce que Burkina a fait, ce que le Mali a fait, ce que le Sri Lanka a fait. Je parle de Sri Lanka depuis la tannée. Je crois que je lève la vidéo ici très rapidement. Je vais vous montrer. Avant d'aller rendre hommage à Maître James ici. Voilà. Je parle de ça. Voilà ça ici. Vous voyez, Sri Lanka. L'animal qui dirigeait Sri Lanka, il était plus fou que Draman. Mais regardez, un matin, peuple Sri Lanka. Ça, c'est pas rébellion, hein. Peuple Sri Lankais. Sri Lanka, c'est l'un des pays les plus pauvres. Ils travaillent avec moi ici. Sri Lanka, Bangladesh, là. Et là, ils sont plus pauvres que nous. Regardez, un matin, regardez. Victory! Victory! Here we go! No way! You can stop it, man! That's it! That's Sri Lanka! End of the bloody story! Bloody hell! Woohoo! Vous voyez, c'est la foule qui a pris le palais comme ça. On dit oui, il n'a pas tiré, il a tiré. Je vais vous montrer. Il a tiré, mais il ne peut pas tuer tout le monde. Voilà ça ici, regardez. Ça, c'est France 24 maintenant qui parle. Regardez. C'est en direct sur Facebook qu'une page de l'histoire du Sri Lanka vient de se tourner. Des grandes marches, aux chambres à coucher, en passant par la piscine, le palais présidentiel est désormais aux mains du peuple. Le palais présidentiel est désormais aux mains du peuple. Vous avez entendu rébellion de la non? 20 000 soldats armés de fusils d'assaut n'ont pas empêché ces manifestants de prendre d'assaut la résidence du chef de l'État. Je reprends encore. 20 000 soldats armés d'assaut, de fusils de Kalachnikov. 20 000 soldats armés d'assaut, écoutez. Le palais présidentiel est désormais aux mains du peuple. 20 000 soldats armés de fusils d'assaut n'ont pas empêché ces manifestants de prendre d'assaut la résidence du chef de l'État. 20 000 soldats armés de fusils d'assaut n'ont pas pu empêcher ces manifestants à prendre la résidence du président de la République au Sri Lanka. À prendre d'assaut la résidence du président. Ça, c'est le peuple. Mais ici, là, ne pensez pas que le peuple n'avait pas peur de mourir, non. Le peuple était prêt à sacrifier
milliers de personnes ici. Regardez. C'est-à-dire, on allait tirer. Beaucoup allaient tomber. Mais président allait partir. C'était le prix pour libérer la Sri Lanka. Peuple ivoirien ne veut pas faire ça aujourd'hui. Asseyez-vous dedans. Nous, on a fait hier pour Ouattara. Je vous le dis. Le Nord a décidé de sacrifier un nombre de leurs enfants. Certains jeunes du Nord pour que Ouattara soit présent. On l'a fait hier. On le regrette amèrement aujourd'hui. C'était le sacrifice suprême pour l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Le Nord, nos parents ont accepté de faire ce sacrifice-là. On sont allés les dire à nos parents, les marabouts et les fétichaires, pour que Ouattara soit président, il va falloir sacrifier beaucoup de vos enfants. Les enfants ont été sacrifiés au sein des rébellions de Ouattara. C'était le prix pour le Grand Nord, pour que Ouattara soit président. Je regrette aujourd'hui. Après tous ces sacrifices-là, tous les enfants du Nord, le cadre du Nord, ont trouvé la mort sur Ouattara. D'autres sont en prison, d'autres sont en exil. Voilà le mal qui m'anime contre Draman. Vous comprenez? Regardez. Maman Jacqueline, regardez. Peuple ivoirien, 29 millions. Asseyez-vous là. Regardez. N'ont pas pu empêcher. Le ciel est désormais aux mains du peuple. 20 000 soldats armés de fusils d'assaut n'ont pas empêché ces manifestants de prendre d'assaut la résidence du chef de l'État, déjà en fuite. Dans les rues, comme un symbole du basculement en cours, ce policier jette son casque à terre avant de rejoindre la foule. Même policier est content. Dictateur est un même policier. Il jette son casque à terre et puis il s'en va rejoindre les manifestants. Même policier, il est content. Mais pour libérer le pays, il a fallu le peuple. Le policier ne pouvait rien faire. Il a fallu le soulèvement du peuple. Après une nuit de vendredi passée devant la résidence présidentielle, dans un quartier des affaires barricadé par la police, des étudiants ont été repoussés par des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Voilà. Très vite. À la veille, ils ont barricadé devant la résidence des présidents. La seule différence entre les animaux qui nous gouvernent en Afrique là et les autres chefs d'État, Bangladesh là, Sri Lanka, c'est plus pauvre, ils sont plus pauvres que nous, mais ils n'ont jamais tiré. Les seules parties du monde où on tire, si les propres jeunesse au cours d'une manifestation, c'est l'Afrique. Ils ont tiré canon en haut la gaz lacrymogène, mais ils n'ont pas tiré en balles réelles. Et chez nous là-bas, c'est quelle la différence? Que je comprends la peur des peuples africains pour sortir pour manifester, parce que chez nous quand ça commence, en tissu et à balles réelles, comme des poulets. Sri Lanka, là, présent en fuite. Ils ont gaz lacrymogène, mais ils n'ont pas tiré. Je vois des animaux qui comparent la manifestation de France, là, qui est violente d'ailleurs, que la France n'a jamais connue par un petit dictateur. Moi, je rêve un coup d'État même en France, comme Macron le fait en Afrique. Mais malgré la violence policière française à l'endroit des manifestants, il n'y a jamais eu un petit coup de fusil. Non, matraque, gaz lacrymogène. Malgré Macron, c'est un voyou, c'est un dictateur là. Malgré les policiers français sont violents à l'endroit des manifestants. Je vois des moutons, voilà, si ça n'a plus, on dit c'est la dictature. Voilà, Macron est en train de violenter. Non, Macron violente, mais il ne tire pas. Les policiers français ne tirent pas sur les manifestants. Sri Lanka ici là, qui sont plus pauvres que nous, ils sont noirs, noirs là-bas, bizarre façon là. Les militaires n'ont pas tiré. Gage lacrymogène, canon en haut. Les seules parties du monde où on tire à balles réelles sur les manifestants, c'est chez nous là-bas. Les pays qui sont dirigés par des animaux, quand ça commence, net, tu attends, poum, 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 poum. On tire. Les jeunesses sont des moutons. Aucune réflexion. Mon grand frère, c'est que soyez salé. Big respect à vous tous. Regardez, à la veille, ce qui s'est passé. Le président est parti. La détermination du peuple. Il n'y a pas de rébellion dedans. Waouh! Très vite, l'armée décrète un couvre-feu et place la ville de Colombo et ses banlieues en état d'alerte jusqu'au lendemain. Gotabaya Rajapaksa est un terroriste, un chef d'État qui a détruit le pays. Vous voyez ces jeunes-là? Il est noir, il est un peu bizarre. C'est comme ça ils sont, les Sri Lankais, là. Voilà, ils ont un teint bizarre, cheveux bizarre, façon là. Tu as vu, non? Voilà. Là, ils étaient prêts à mourir et tous, comme nous on a fait hier pour Ouattara. Ado ou rien. C'est ça. Il y a des vidéos ici, je ne peux pas vous montrer. Nos mamans sont sorties.
On voulait que Dieu n'a qu'à nous aider pour chasser Gbagbo Ouattara n'a qu'à venir. On est sorti un jour sans autorisation. Gbagbo n'a qu'à nous tuer, nous tous. Et ce drama, nous, on connaît. Aujourd'hui, on ne peut pas rentrer dans nos pays. Sur eux, il en exit, surtout sur en prison. Oh, Allah. Maria Kera Flaye. Encore Djenna, Djenna. Oui. Peuple ivoirien, asseyez-vous là. Moi, j'ai pris seulement. En tout cas, je ferai tout mon mieux en prière pour ne pas que 2025 trouve RHDP au pouvoir. Sinon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nous, le GPS. Ce n'est pas bon pour aucun Ivoirien. Moi, je le sais. Un chef d'État qui a détruit le pays, détruit cette unité raciale et religieuse qui n'existe nulle part dans le monde. Bata Bari, un dictateur qui a détruit le pays, qui a détruit cette unité raciale et religieuse qui n'existe nulle part au monde, comme la Côte d'Ivoire. Draman est venu détruire cette unité raciale, religieuse en Côte d'Ivoire. Mais les Djula en conflit contre le Bousmani, Bousmani en conflit contre les... Tout ça, c'est Ouattara. Peuple ivoirien, moi je m'adresse à vous. Je ne peux rien faire. Je ne prendrai plus les armes même pour Sorodjom. Je ne le ferai plus. Sorodjom m'a dit qu'il n'y a plus de rébellion dans son projet. Donc c'est fini là. Donc nous on est ici, on vous regarde. Manifestants et laissent éclater leur colère. Et regardez. Voilà. Le principal hôpital de la capitale fait état d'au moins 3 personnes blessées par balle et de 36 autres souffrant de difficultés respiratoires à cause des gaz lacrymogènes. 3 personnes blessées dans cette manifestation. 36 personnes qui souffrent des manques de respiration à cause des gaz lacrymogènes. Et vous savez ça là, si c'était à Abidjan ou à Mauritanie, je ne sais pas où là, dans les pays qui sont dirigés par des animaux là. On allait attendre que dans cette manifestation, il y a eu 1000 morts, 5000 blessés à l'hôpital. Wallahi bilay. On allait attendre ça. C'est le Lanka. 3 personnes blessées graves, 36 souffrent de manque de respiration à cause des gaz lacrymogènes. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Quand ils ont, pour la première fois même, je vous dis la vérité, j'ai découvert gaz lacrymogène, je ne savais pas que c'était piment qui était dedans. C'était quand ils ont écarté candidature de Ouattara en 2000. Ali Koulibaly, comédien là, qui a refusé sa maison à Soro, dans les Djimini là. RFI dit qu'il n'a qu'à sortir pour manifester que le pouvoir est dans la rue. C'est dans ça là, moi j'ai découvert ce qui veut dire gaz lacrymogène. J'ai eu passé à peu près 2 semaines couché. Je ne pouvais pas respirer. Vous comprenez? Gaz lacrymogène là, pour la première fois, j'ai découvert ce qui est dedans là. C'était manifestation en 2000. À cause des dramas. Ici, on ne parle pas des morts. Vous voyez, manifestation était violente, mais on n'a pas parlé des morts. Regardez. Mais si c'est en Afrique, là, 3000 morts, 5000 blessés en même temps. C'est des animaux, il n'y a aucune réflexion. Regardez. Manifestants et laissent éclater leur colère. Regardez. Le principal hôpital de la capitale. Ça, c'est le barrière qu'on avait mis devant la résidence des présidents. Ils ont cassé ça. Le principal hôpital de la ville. Écoutez. Fait état d'au moins 3 personnes blessées par balle et de 36 autres souffrant de difficultés respiratoires à cause de... 3 personnes, pardon, blessées par balle. 3 personnes blessées par balle. C'est des animaux aussi, mais pas comme nos chefs d'État. Dans ces fous, tous ces fous-là, il y avait plus de 20 millions de personnes ici. 3 personnes blessées par balle. Ça peut être un tir de sommation raté. C'est ça? Sinon... Tout ce monde-là, comment on peut parler de 3000 blessés et 3 personnes blessées par balle? Et 36 personnes souffrent de respiration. Si chez nous, là, non. Il y a eu 1 million de morts. Hôpital de Kokodi, il n'y a pas place. 5 millions de blessés. C'est des animaux. Le président est parti. Il est parti. Détermination du peuple. Tu vas quitter là. Donc, peuple ivoirien, vous savez ce que vous devez faire. En tout cas, moi, personnellement, j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans ces mois bénis de l'islam, que 2025 ne trouve pas RHDP là-bas. J'ai fait mon analyse. Il faut seulement prier Dieu. Dieu seul sait comment il va passer, comment il va faire pour faire tomber Ouattara. Mais quand on regarde la réalité, il n'y a aucune possibilité pour faire tomber Ouattara. Ministre de la Défense, c'est un djoula. Patron de la police, c'est un djoula. Patron de la gendarmerie, c'est un djoula. Patron de l'armée, c'est un djoula. Le président va tomber comment? En tout cas, ce n'est pas coup d'état. Miracle de Dieu. C'est du jamais vu en Côte d'Ivoire.
Doumbia, patron des militaires. Touré, patron de la gendarmerie. Kouyaté, patron de la police. Brahma Ouattara, ministre de la Défense. Quatre personnes. Le pays est barricadé. Donc il faut prier Dieu. Dieu seul peut franchir là-là. Personne ne peut. C'est lui seul qui peut pénétrer parmi ces cercles-là. Donc priez Dieu. Priez Dieu. Jacqueline Bailly, priez Allah. Le pays est bloqué. C'est barricadé. C'est Dieu seul qui peut déverrouiller le pouvoir de Ouattara. Avec le peuple. Les déterminations du peuple. Au fond, il n'a pas fait ça. Bédié n'a pas fait. Bagou n'a pas fait. Chef d'état-major Djula. Chef d'état-major de la gendarmerie Djula. Chef d'état-major de la police Djula. Un ministre de la Défense Djula. Président Djula. Vice-président Djula. C'est bouclé. C'est barricadé. C'est fini. Il n'y a que la détermination du peuple. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu seul peut frapper là-là sans que Draman se rende compte. Pour que Dieu frappe, mettez-vous en prière. C'est fini. Bangladesh, Sri Lanka, voilà ça. C'est même pas Bangladesh, Sri Lanka. Le président est parti. C'est fini. Après, comme il règne. Vous voyez? Même les filles, jolies femmes là, ils sont dedans. On va tous mourir, mais le président doit partir. Ivoirien n'est pas prêt à faire ça. Asseyez-vous là. Respiratoire à cause des gaz lacrymogènes. Le Premier ministre a convoqué les membres du gouvernement en urgence. Voilà le palais là. Le peuple a pris. Ils ont pris le palais. Donc c'était pour déconstruire le mouton là. J'ai dépassé l'air largement. Pour finir, je vais remercier Maître James. Et Maître James, je suis tombé sur une de sa vidéo. On va regarder ça ensemble. Je dis félicitations à Maître James qui a décliné l'invitation de l'animal Emmanuel Macron pour l'accompagner au Congo Kinshasa. Cette vidéo, ça m'a fait plaisir, on va regarder ensemble. Maître James, c'est un artiste international congolais. C'est lui qui a refusé, la préfecture a appelé Maître James. J'ai regardé le reportage, le documentaire. On dit, mais tu es international, tu voyages partout. Maître James a plus de 2000 passeports. Il a montré tous ses passeports. Il n'y a même plus où on peut me cacher les visas. Il prend un passeport, au bout d'une semaine, c'est rempli. Ça va prendre un autre, c'est rempli. On dit, mais au lieu de faire toutes ces fracasseries, visa, visa, viens, on va te donner la nationalité française. Il dit non, qu'il n'en a pas besoin. Je ne sais pas maintenant s'il a pris ou pas. J'ai regardé le reportage. Celui-là, il a osé, a dit non à Macron. En chassant le risque qu'il peut le causer. Ça là, si c'était Magic System de Draman en Côte d'Ivoire, ça là, si c'était Magic System de Côte d'Ivoire, ils allaient sauter sur le gazon. Ah, Magic System, ils ont accompagné Macron à Abidjan. Ça, ils pouvaient, c'est un point. On les a vus ici. Ils ont pris petit déjeuner à Chirac ici, Magic System. On a failli faire tomber le monde comme s'ils ont mangé à la reine Elisabeth. Magic System. Ça là. Si c'était Tikenja Fakoli, le comédien, il allait partir. Il allait sauter. Alpha Blondie. Yodé et Siro. Si c'était des comédiens, là, Macron demande à ses esclaves là, de l'accompagner en Côte d'Ivoire, ils vont sauter sur l'occasion. Maître James a refusé. Fali Ipupa, nègre de la maison, un plaisantin, un comédien, dès qu'on lui a appelé, off, il a sauté sur l'occasion. Mais il pensait qu'il allait prendre le point. Ils sont allés brûler sa maison à Kinshasa. Pour lui montrer que tu ne devais pas venir accompagner l'animal ici, Emmanuel Macron. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Félicitations à Maître James pour l'acte qu'il a posé. On va écouter la vidéo. Je suis fier de lui, je suis content. Il a expliqué beaucoup de choses dans sa vidéo, pourquoi il a fait ça. Je vais vous montrer la vidéo. Fali Ipupa, l'animal, nègre de la maison. J'aurais appris, mon caissin, j'aurais appris que ce comédien-là, qui a été payé par le gouvernement de Draman pour venir aux cérémonies de l'ouverture du camp 2023 de mon pays, c'est Fali Ipupa, ils ont pris. Pendant qu'il y a les divas Maman Aïcha Kone qui sont là, pendant qu'il y a des artistes qui ont servi le pays. Eh non, négro-africain, réveillez-vous, l'homme africain, elle va souffrir à jamais. Sera jamais. C'est-à-dire un événement national. Prendre des artistes nationaux qui ont consacré leur vie pour le pays. Non, c'est Fali Ipupa.
Parce que c'est Macron qui a demandé à Draman de prendre Fally Ipupa. Je suis sûr de ça. Parce que Fally Ipupa a accepté de l'accompagner au Congo. C'est Fally Ipupa, un Congolais, qui va venir presser le lancement officiel de Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Fally Ipupa. Pendant que les comédiens de Draman, Leti Kendia, l'Alpha Blondie, là, sont là, qui ont chanté fatigué pour lui. Maman Aïcha Kole, la diva, je ne cite que c'est là. Mais il y a combien des artistes qui ont représenté la Côte d'Ivoire? Il y a les artistes africains, les Salifou Keïta, les Dibango, les... Eh non, mais c'est désolé quoi, pour vous. Donc, ce nègre de la maison, Maître Jim se refuse, lui, il a sauté sur l'occasion. Il allait s'asseoir dans son Congo de merde là, dans une boîte de nuit de merde là, prendre une bière de merde là et Macron, il pensait que... Mais les journalistes français, j'ai regardé dans les débats à C8, il y a un journaliste qui a dit que Macron allait s'asseoir dans un maquis, boire l'alcool avec un artiste local. C'est-à-dire, hey, il ne connaît même pas Fally Ipupa. On le traite d'artiste local. Que ce n'est pas normal que Macron aille s'asseoir avec un artiste local pour boire des bières. C'est-à-dire, pour Fally Ipupa, c'est un artiste local, il n'est pas connu. Le chroniqueur qui parlait là, il ne connaît pas Fally Ipupa. Qu'on y va, il y a quoi vous? Alors, on va écouter Maître Jim Sissi. Vraiment, j'ai aimé tout ce qui est bon. Moi, je suis dedans. Hein. Vous me connaissez déjà. Je n'ai pas pu télécharger la vidéo. J'ai envoyé le lien comme ça. Je crois que ça va aller ici. Facebook. Voilà. On va faire comme ça. Maître Gims, à l'origine d'un scandale, je dirais. À l'origine d'un scandale. Attendez, s'il vous plaît, pour que vous voyez bien là. Je vais faire quelque chose. Non, mais pourquoi il me demande ça? Bon, on fait ça comme ça, mais ça ne tourne pas là. C'est un problème, ça. Et diplomatique. Voilà. Okay. C'est bon. Non. En effet, lors de son récent voyage au Congo, en République démocratique du Congo, pour être plus précis, Maître Gims. On va écouter la vidéo. Big respect à Maître Gims, le comédien plaisantin Magie System. Macron n'a qu'à les appeler. Magie System, je veux que tu m'accompagnes à Abidjan. Il va sauter sur l'occasion jusqu'à il va tomber. Des hommes indignes. Hein, quand je regarde le parcours de ces comédiens-là, Maître Jim, c'est pas camarade de quelqu'un. Quand il va à Abidjan, à son cachet, même la Draman cherche des noms. L'argent des contribuables. Tout le temps, Fally Ipupa, Abidjan, Fally Ipupa. Vous voyez des artistes ivoiriens au Congo, plus de milliards de dollars, de n'importe quoi, la médiocrité. Ivoiriens, réveillez-vous, arrachez pays-là, récupérez pays-là dans la main de ces comédiens-là. Sinon, vous allez tous à périr dedans. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala. Je prie le bon Dieu, tous les jours. Il ne faut pas 2025, vous trouver cela au pouvoir. On a vu le lancement des Coupes d'Afrique partout. C'est les artistes nationaux qui sont mis en valeur ces jours-là. On a vu pour le Mali, 2023, je crois, 2022. Oui, c'est la Coupe d'Afrique de 2022, je crois que c'était au Mali. On a vu. Au Ghana, quand ça se passe, c'est les artistes locaux d'abord et puis les internationaux viennent. Mais choisir un Fally Ipupa, un Congolais, pour venir. Eh non, c'est mort, quoi, c'est mort. Écoutez. À l'origine d'un scandale, je dirais, diplomatique. En effet, lors de son récent voyage au Congo, en République démocratique. Diplomatique, un scandale diplomatique. Parce qu'il a dit non à l'animal Macron, l'enfant impoli, arrogant, mal éduqué. Il a dit non. Moi, je ne peux pas t'accompagner au Congo chez moi. Oui. Ah, il n'a qu'à appeler Magie System demain. Ou Tiganja Alpha Blondie, ou Yodé et Siro. Il n'a qu'à les appeler. Ils vont sauter sur l'occasion tout de suite là. Ils n'ont pas de réflexion. Du Congo pour être plus précis. Maître Gims, à l'origine d'un scandale, je dirais, diplomatique. En effet, lors de son récent voyage au Congo, en République démocratique du Congo, pour être plus précis, le président français Emmanuel Macron a voulu que Maître Gims soit dans sa délégation. Mais le chanteur, artiste congolais, président au Maroc, y a opposé une fin de non-recevoir. Je veux dire qu'il a refusé avec fracas. Pourquoi? Applaudissez pour Maître Gims. Félicitations à lui, papa. Tu es un chef. Et en prenant une telle décision, il sait, Macron va travailler pour la destruction de sa carrière. Il sera même peut-être interdit de séjourner en France. La France, ce n'est pas un pays, c'est la dictature. Parce que Maître Jim a refusé, ils vont essayer de le fermer partout.
La France, c'est l'Afrique. Macron est l'image des Draman et tous ces comédiens qui nous gouvernent là-bas, les dictateurs. Vous comprenez? Réponse dans cette vidéo de votre émission Ascension. Ne bouge pas. Alors, comme vous devez le savoir, Emmanuel Macron était en Afrique il n'y a pas longtemps. C'était une petite tournée pour son opération de charme et de séduction, où il s'est rendu dans plusieurs pays au rang desquels la République démocratique du Congo. Mais avant cette tournée, Emmanuel Macron avait sollicité l'accompagnement de Maître Gims, qui est un artiste commencé congolais, mais qui est un artiste d'expression française, qui est une grande star de la musique de variété française. Mais Maître Gims a dit non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron s'est rabattu sur Fally Ipupa, qui a accepté de jouer le jeu. Maître Gims a avancé les raisons pour lesquelles il n'a pas... Fally Ipupa qui a accepté le jeu. Nègre de la maison, un animal. J'ai mal tout le temps quand on amasse des milliards, des centaines de dollars. Inviter ces cafards-là chaque année à Abidjan pour aller lui donner de l'argent gratuitement. J'ai la rage contre ça. Maître Gims a refusé. Fally Ipupa, l'animal nègre de la maison, a sauté sur l'occasion. Immédiatement. A voulu accompagner Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Et ses raisons, les voici. Tu vois, là, dernièrement, tu vois, on a vu Macron. Ah, vous avez vu Macron partir au Zaïre. Ah, je pensais qu'il avait... Non. Il est capable de venir. Ouais, bon, on sait jamais. Mais en tout cas, on l'a vu partir au Zaïre, visiblement. Tu avais reçu une invitation. Pourquoi l'avoir décliné? J'ai décliné l'invitation. Il faut savoir que je l'ai reçue en direct, moi. Enfin, pas de Macron, mais de Brigitte Macron. Donc, j'ai cherché à savoir déjà l'objet. Écoutez, ça, c'est important. J'ai reçu l'invitation, pas par l'animal Macron, ou sa vieille mère, la Brigitte Macron, la grand-mère. C'est elle qui s'est chargée directement d'inviter Maître Gims. Parce que tout ce qui est intermédiaire entre les animaux, là, Maître Gims n'est pas dedans. Voilà, c'est sa femme qui lui a adressé. C'est-à-dire, on veut se servir toujours des nègres de la maison, des esclaves, pour atteindre leur objectif, pour redonner son image au Congo là-bas. Ils ont trouvé normal, il va falloir partir avec un enfant de Congo qui est influent au niveau international. Voilà les calculs. Pour aller au Congo, il va falloir prendre un petit nègre congolais qui est internationalement reconnu et puis on va partir avec lui pour adorer l'image de Macron. Maître Jim, c'est pas un animal. Écoutez, pourquoi il a refusé? De la visite là-bas, etc. Moi, je suis très au courant de ce qui se passe au Congo. Je suis très au courant de ça. Tu vois, et j'ai toujours eu ce rôle-là, cette position de prendre des décisions qui peuvent tout faire basculer. Tu vois? Donc, j'ai dû décliner. J'ai dû décliner l'invitation parce que ça me semblait trop compliqué. Et c'était justifié aussi quand on regarde les Congolais, quand on regarde leurs revendications, et ils sont pas en train d'inventer une histoire, tu vois. Donc moi, en tant que Congolais, arrivé comme ça avec le chef d'État français, c'était pas la meilleure idée. Ah, on t'en aurait voulu. C'était pas la meilleure idée. On m'en aurait voulu. C'était pas la meilleure idée. C'était pas joli à voir. Étant donnant, il sait quelle est la condition de vie des Congolais. Il sait ce qui se passe au Congo là-bas. C'est ça un homme digne. Big respect à toi, Maître Gims. Que Dieu veille sur vous. Que Allah te protège. Que Dieu te donne longue vie et la santé. J'aime des gens comme ça. Des personnes comme ça. Qui assument. Je suis couché ici. Je suis tombé sur cette vidéo-là. Il dit bon, je le rends hommage. Maître Gims, que Dieu veille sur vous. Ouais, je peux comprendre pourquoi on m'en veut par rapport à ça. Mm-hmm. Tu vois? Donc, j'ai eu une réflexion de 24 heures. J'ai réfléchi un petit peu. Bien avant que ça parte sur les réseaux, etc. J'en ai jamais parlé, moi. J'en ai jamais parlé. Je crois que c'est justement Kémy Séba qui a mis ça sur le... Avec un tweet, moi, j'en avais jamais parlé parce que je me suis dit, bon, personne va... Quoi qu'il arrive, j'ai pas à dire que j'ai décliné. Macron m'a invité, j'ai décliné, etc. Je n'y vais pas, c'est tout. Parce que... Merci beaucoup. Tu as bien fait. C'est ça, un homme. C'est ça. Tu vas pas, ça s'arrête là. Mais si c'était un autre des animaux, les magiques systèmes là, non seulement ils ne vont pas décliner. Parce que pourquoi je prends des artistes ivoiriens, un exemple,
Leur pays est dans la merde. Le pays est dirigé par un dictateur. On emprisonne les Ivoiriens tous les jours. Ils sont assassinés tous les jours. Ces comédiens plaisantaires de Magic System, d'Alpha Blondie, de Tikenja, de Yodé et Cyrula, ils refusent de dénoncer. Yodé et Cyrula, ils ont dénoncé une fois. Ils sont allés en prison. Ils n'ont même pas parti en prison. On les a convoqués. Le procureur, ils sont quittés là-bas. Ils sont devenus camarades de Draman. Ils ne parlent plus. Yodé et Cyrula, ils ont accompagné Draman ici à Rome. Vous voyez? Un pays comme ça, là. Des plaisantaires et des comédiens. Vous voyez? C'est politique, c'est machin, j'ai pas envie. Le Congo, c'est un pays spécial. Les artistes sont des politiciens. Ils sont considérés comme des députés. Donc, arriver là-bas, non, c'était pas la meilleure des choses. C'était pas la meilleure des choses, je l'ai pas senti. Mm-hmm. Merci, maman. Encore une fois, tu marches au feeling. Donc c'est... Merci, papa. C'était pas la meilleure idée. C'était pas le meilleur choix. Je l'ai pas senti. J'ai refusé. Ça dit, un jeune Africain chanteur qui n'a jamais été ministre ni président. Ose a dit à Macron non. Et ces animaux qui nous gouvernent là, jusqu'à leur mort, ils ne peuvent pas oser a dit non à Macron. Maître James, tu es un homme que Allah veille sur toi. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège ta famille. Oui. Maître James a dit à Macron non. A dit à Brigitte non. Draman ne peut pas. Jamais. Patrice Talon ne peut pas. Yadema, le petit de Togo, ne peut pas. Macky Sall de Sénégal, l'animal, on n'en parle pas. Mais Maître James a dit à Macron, non. Hey, je vous ai dit, il y a des Africains encore qui savent ce qu'il veut dire. Très bien. Mais toi, c'est quoi ton avis, tu sais, par rapport au conflit même qu'il y a là, au sein même du pays, tu vois, à l'est du pays, plus précisément. M23, tout ça. Absolument. C'est quoi, toi, ton regard par rapport à tout ça? Mon regard, c'est le regard du peuple aujourd'hui. Ouais. Tu vois, ce que je sais, je l'apprends du peuple, c'est eux qui vivent ces scènes-là, c'est eux qui vivent ces atrocités. Moi, je suis pas sur place, tu vois. Je ne fais que répéter des choses qui se passent dans le Kivu, qui sont réelles. Et pourquoi tout ça? Pour des matières premières. Qui arme ces gens-là? Etc., etc., etc. Tu vois, c'est quelque chose qui nous ramène à un niveau céleste où tu n'as plus d'oxygène, tu vois. Mais ça sert à rien de rentrer dans les détails là dans l'émission, sinon on va aller vraiment très très loin, on va parler de certains chefs d'État, etc. Merci. Mais la colère est justifiée. Mm-hmm. La colère est justifiée. Il y a un génocide, un massacre au Congo depuis trop longtemps. Le Congo a toujours été dans un carrefour, c'est-à-dire historiquement dans un tournant décisif à cause de sa richesse. L'apogée du caoutchouc, l'automobile, c'est le Congo, le caoutchouc. L'apogée du cuivre. Merci, papa. Fali et Poupa, il ne connaît pas ça. Il ne sait pas ça. Ce que tu viens de dire là. L'animal nègre de la maison. Macron l'appelle, il jette ton téléphone, il saute sur l'occasion. Maître James, que Allah veille sur vous. Hein, la Seconde Guerre mondiale, c'est le Congo, encore une fois. Le diamant, la colonisation belge. Léopold Ier, absolument, qui n'a jamais mis les pieds au Congo, qui a choisi le Congo comme ça, comme s'il jouait aux Sims. Encore le Congo. Aujourd'hui, le coltan, qui permet de faire les écrans, les ordinateurs, la mémoire. Le Congo. Mm-hmm. Et là, on découvre encore des matières. Donc le pays, il a toujours été dans un tournant décisif tout au long de son existence. Il faut que ça cesse. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas tuer des Congolais comme ça, comme si c'était rien du tout. Mais comment t'expliques que ce soit riche? Voici la raison pour laquelle il a dit non à l'animal Emmanuel Macron qui dirige la France. Il dit Congo, c'est mon pays. Il sait ce qui se passe là-bas. Vas-y, moi, je ne peux pas t'accompagner. Fali, Poupa, l'animal qui doit aller ouvrir les cérémonies des Coupes d'Afrique 2023 chez moi, dans mon pays. C'est Fali, Poupa qui est la star. C'est lui qui a été choisi, nègre de la maison. C'est Macron qui a ordonné ça à Draman. Parce que Fali Poupa lui a accompagné. On quitte là, on dit c'est Fali Poupa qui a été choisi. Et regardez les deux dates. Hein. On quitte en Okomo, la Côte d'Ivoire publie en même temps que c'est Fali Poupa, c'est Macron. Bon, comme Maître James a refusé, toi, petit négro là, tu m'accompagnes. Tu vas aller à l'ouverture des cérémonies des Coupes d'Afrique 2023 à Abidjan. Moi, Macron, j'ai dit que c'est toi. Ils ont quitté au Congo, qu'on lui a publié que c'est Fali Poupa. Les animaux. Et au silence. Mais parce que c'est trop d'argent. C'est trop d'argent.
Tu t'imagines si ce coin du pays là, le Kivu, où il y a tout cette richesse, si c'est plus les rebelles qui ont la main dessus, etc. Ça devient un truc national où c'est géré par l'État. Mais les prix auxquels ils touchent le coltan là, ça va augmenter. Voilà. Ils donnent des vieilles sommes aux milices là-bas, aux mecs qui sont là-bas. Le mec, il est là avec sa mitraillette, il allume tout le monde. Il va prendre, tiens, toi, prends 2 millions de dollars, tiens, 3 millions, sors-nous tant de tonnes, machin, ils en demandent pas plus. Mais une fois que ça va être quelque chose de géré par l'État, tous ces chefs d'État, toutes ces puissances ne vont plus toucher le coltan au même prix. Donc pour eux, l'instabilité... Centaines de tonnes de coltan, $1 million, bon, prends ça, vas-y. Oh mon Dieu. Maître James, vraiment, j'ai beaucoup aimé ta sortie, là. Tu as expliqué pourquoi tu as refusé. J'ai beaucoup aimé, j'ai décidé de te rendre hommage dans ces mois bénis de l'islam, mois de Ramadan, lequel est d'abord 19e, ça manque un peu. Et pour te rendre hommage, parce que tu as fait fort. Ouais. Allons-y. Du pays, ça les arrange. Parce que c'est des milices qui massacrent tout le monde. Eux, on les arme. Vas-y, les gars, on arrive, vous nous sortez 25 tonnes de machin, là. Maître Gims a raison sur ce coup. Vous savez, le Congo a été qualifié par un géographe dont le... Si je continue, on lui demande, mais le fait que tu as refusé d'aller, tu n'as pas mesuré le risque que ça peut t'écouter, il dit oui, avec tout le risque. La France peut lui créer tous les problèmes parce qu'il a refusé d'accompagner l'animal Macron. On peut lui interdire de rentrer en France. On peut me freiner à sa carrière musicale, mais Maître James n'a rien à prouver. Un fils digne de Congo. Parfois, il n'arrive pas à dormir quand il regarde la situation des peuples congolais. Comment on peut donner centaines de tonnes de coltan à quelqu'un pour $2 million? Parce que c'est géré par des ministres. Hein? Voici des pays qu'il faut couper en deux ou en trois. Congo est grand. Ou aller massacrer tous les rebelles qui sont là-bas. Parce que l'État n'a pas accès à ces ressources-là. Regardez le Congo. L'un des pays le plus riche au monde. Mais l'un des pays le plus pauvre. Maître James, j'ai fini ma vidéo pour te rendre hommage, pour demander le bon Dieu, que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu protège vos familles. Famille, c'était ma petite vidéo de ce soir. Inch'Allah, demain, nous sommes assis ici encore. Je suis à la maison. Et puis lundi, ici, ça ne travaille pas encore, c'est jour férié. Voilà, c'est Pâques. Donc, résurrection de Jésus. Donc, on est ensemble. On sera ici demain, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Que Dieu facilite la chute des dramans. À refuser la nationalité plusieurs fois. Oui, à Maître James, il vit au Maroc. J'essaie. Mes reportages que j'ai vus, ils ont montré tout son domicile au Maroc. Là, ils ont tout montré, son relation avec le roi. Et quand la préfecture de la France lui a appelé pour lui proposer la nationalité, au lieu de faire toutes ces fracasseries de visas, il a dit non. Voilà, reportage là. Il faut aller comme toi, tu es un archiviste là. Va sur YouTube. Et tu demandes, tu écris que la préfecture a proposé la nationalité française à Maître Jim, juste tu vas te donner. Très bel reportage. Il a refusé. La préfecture l'a appelé. On dit, mais toi, tu es international, on a été promener à chaque fois une centaine de passeports, fait toutes ces fracasseries de visas devant les ambassades. Prends la nationalité française. Il dit non, qu'il n'en a pas besoin. Voilà. Voici YouTube, tu vas trouver et puis on va parler après. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. Que Dieu facilite la chute des dramans avant 2025 dans ces mois bénis de l'islam. Que Dieu facilite le retour de tous les exilés, en particulier le président John Kibafori Soro. Que Dieu met sa main sur lui, que Dieu le protège dans son exil. Que Dieu facilite la libération de tous les prisonniers politiques, en particulier celle des GPS, Suleiman Kamraté, Kader Doumbia, des jeunes musulmans qui ont pris des armes au nom de Ouattara et au nom de l'islam. Dans ces mois bénis de l'islam, ils sont en train de gêner en prison. Demain soir, nous allons revenir là-dessus avec une vidéo de Papa Chris Yapi qui va détruire le monde. Merci beaucoup à tous. Assalamu alaikum.